78e Assemblée Générale. Son va monter toujours, je peux d'abord. Son va monter toujours. Ok, là, allez. 78e Assemblée Générale Nations Unies a continué dans New York. Et l'équipe VOA Creole à présent avec Gentil Augustin Junior, Fred Kaimid, Gary Altidor, Valérie Semi et moi-même Jacqueline Bélizère. Jodi a, c'est un jour côté que il y a 36 personnes qui prennent la parole. Il prend la parole déjà, il prend la parole. C'est Zile Sechelio, qui a commencé défilé. Et il a fini avec Tadjikistan. Jodi a tout gagné un speaker ou bien un qui prend la parole. Lui, c'est Luis Abinader, qui est président de la République Dominicaine, qui vient jodi a pour prendre la parole après-midi. Là, ça veut dire dans un petit moment là. Ligue en pile importance pour le pays d'Haïti parce que c'est dans un moment côté que gon rochi répit entre la République Dominicaine avec Haïti sous construction yon canal sous rivière Massacre. C'est un dossier qui fait un pile collé, qui crée un pile sensation et sensation ça yon arrivé jusque dans les Nations Unies. Et c'est le président Luis Abinader même qui dit que l'État vient avec question dans les Nations Unies. Et déjà, il y a un pile autorité qui touchait de questions hein, et il a parlé de lui. Donc, après-midi, là, nous prenons le temps du président de la République dominicaine, Luis Abinader, pour nous voir qui j'ai que le prêt à aborder le problème sous tribune Nations Unies. Donc, et 36 et moun qui prend la parole aujourd'hui dans les Nations Unies, il s'est cher commencé et puis Tadjikistan a continué. Nous connaissons qu'en dehors de la tribune Nations Unies, il y a l'autre salle, il y a l'autre côté qui a l'autre activité qui a. Par exemple, je dis qu'il y a un sommet sous ambition climatique. Je dis que le monde, spécialiste ou bien monde qui est présent, je dis que le monde sous route pour gagner une augmentation de 2,8 degrés Celsius en termes de température. Et monde capable de comprendre que dans pile chaleur, à travers le monde, en Europe, aux États-Unis même, c'est pas parlé. Donc c'est un pile défi qui devant leader mondial sous question climatique. Et ils ont été réunis et ils ont même voulu signer ça, un pacte de solidarité climatique. Il y a un pacte de solidarité climatique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui fait allusion tout à pacte ça. Elle dit que c'est un moment côté que nous n'avons pas qu'à jouer, nous devons agir, tout pays doit agir. Pour que la question climatique soit capable d'adresser et que le monde soit capable de sentir plus bien. L'autre élément qui était très important, c'est Zelensky, président ukrainien. Il était pris la parole hier dans le tribunal des Nations Unies. Et je dis encore, il était pris la parole dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il était pris la parole devant les représentants de la Russie. Il faut dire que c'est la première fois. Président ukrainien Zelensky prend la parole. Il prend la parole de Lemdil, prend la parole. Volodymyr Zelensky prend la parole devant représentant pays la Russie dans l'ONU. Premier bagage alimenté, c'est question Conseil sécurité. Il dit que Conseil sécurité faut remanier, faut l'autre mode de fonctionnement. Parce que il dit que pays agresseur là pas qu'à lui-même, il a le droit de veto, la parler de la Russie. Non seulement il parle de situation pays qui fait face à une guerre tête chargée, côté que il dit que c'est la Russie qui envahit, qui agresse. Mais tout, il dit que le Conseil de sécurité a lui-même un mot pour dire parce qu'il n'est pas capable. Il dit qu'il a un mot pour dire, mais c'est toute organisation mondiale là, qui a un mot pour dire. Pour être capable de résoudre la question du Conseil de sécurité. Parce que dans le Conseil de sécurité, il y a une question de pays qui a le droit de veto. Et parmi les pays qui ont le droit de veto, il y a la Russie. Donc, où est n'importe quelle décision, tant que le président Zelensky a essayé d'expliquer, n'importe quelle décision qui peut être la Russie, mais la Russie a le droit de veto, elle a un partenaire, tout qui c'est la Chine. Donc, il y a un leader qui a le droit de veto une décision. Donc, il demande une autre fois encore pour prendre une décision pour être capable. Et bien, question ça, pour le résoudre, pour être capable de changer. Donc, l'autre la question, monde qui prend la parole, demain, gagner tout, il y a un bagage qui est intéressé, monde qui suit l'actualité dans le pays d'Haïti. Demain, il y a Kenya qui prend la parole. Et Kenya, c'est un pays qui est d'accord pour prendre tête une force multinationale, on a dit robuste, pour me répéter, et secrétaire général de l'Organisation mondiale, là, que on force multinationale pour venir aider la police nationale là et faire face à la question gang. Donc Kenya prend la parole et il y a des gens qui anticipent que Kenya prend le vin
pété les questions sous tapis, surtout que le président États-Unis, Joe Biden, déjà lui-même fait allusion à ça et le remercier le pays Kenya. Et nous, il y a plus de monde qui anticipait tout que Kenya pourrait répondre à la question. Nous connaissons que Kenya, lui-même, lui fait des exigences, tout, il y a des décisions, il dit qui ça voulait faire. Donc tout ça a toujours été dans le stade de débat et l'Organisation mondiale a pris un vote sous question. Donc Kenya va prendre la parole demain et nous-mêmes, nous allons obligés à suivre Kenya et nous allons faire notre démarche tout en tant que VOA créole pour nous capables dans quelle mesure que nous sommes capables de rencontrer avec les autorités pays Kenya pour eux-mêmes, pour nous, qui gens y ont question. Donc, je dis à le plus gros rendez-vous que rendez-vous pour fixer sur lycée. Et République Dominicaine, l'envoi Luis Abinader qui prend la parole aujourd'hui à la tribune de la société. Donc, à fond, un coup d'œil rapide sur la délégation haïtienne. La délégation haïtienne effectivement en rentrée. Il y a là, le Premier ministre Ariel Henry, là, il y a une délégation avec plusieurs ministres et Avel. Et là, il y a pour prendre la parole vendredi soir. Donc, les mêmes tout. Et il y a pour prendre la parole, c'est sûr qu'il prend aborder question. Force multinationales là avec toute question problème gang qui dans le pays insécurité et avec projet que vous avez projet pour faire réforme constitutionnelle et organiser élection dans le pays pour capable passer mal la baille de personnel élu. Donc c'est en gros ça nous gagne pour le moment et n'a pas pour brancher à quatre tapants côté que n'a pas gagne et programme nous rendez-vous info et à 5h n'a gagne et troisième mi-temps. Nous avons une équipe solide, Gary Altidor, Fred Kaimit, et puis Gentil Augustin Junior, qui a filmé là, et qui parle avec Namikoua, et même un esprit avec Namikoua, et puis Valérie Saint-Louis et moi-même Jacques Lebelizer. Merci pour attention. Nous. Donc, pas oublier quatre tapants, nous avons cassé rendez-vous pour un autre rendez-vous. Merci pour attention. Là, est-ce que nous sommes là jeudi à c'est mercredi 20 septembre 2023, c'est la deuxième journée assemblée générale à Nations Unies à New York, côté que les leaders mondiaux continuent à défiler pour faire des points de vue sur la situation politique, sociale, économique mondiale. C'est nous sommes bien là. Maintenant, mon ça pour dire moi oui. Est-ce que nous sommes bien dans des mains? Parce qu'il y a un problème toujours. Et son bien sorti. C'est son bien sorti. Oui ou non? Bien oui, bien oui, 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 oui. Eh bien, ok. Salutations à tout le monde. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, par ça de nous, depuis Capitale Fédérale Américaine, Washington DC. Avant de nous déraper, je remercie tout le monde qui fait commentaire. Et dans l'édition Madia, je les commentaires nous qui fait moui, qui fait moui. Je ne suis pas fâché contre nous, je ne suis pas gagné contre personne. Les commentaires me trouvent qui est injuste. Et les gens qui ont des côtés de mieux là. Bon. Depuis nous regardons les buildings de MNAN, après côté mieux, les buildings de MNAN, la tête de tête là, c'est vrai. C'est congrès américain. Donc c'est pour moi. Et central Nakadi et gouvernement américain. Toute décision que nous avons prise, tout débat qui a pris, c'est là où on pense. Si on va prendre une décision, il est très rare pour le bail. Si on va prendre une décision économique et même assistance que les États-Unis ont pris, mais si on va quoi approuver, une question d'immigration, tout le bagage, pour ça, building ça en cadenne. Ça, c'est une. Pour l'autre qui défend un commentaire tout, qui te dit pour que ça c'est l'âme qui choisit de camper et pour me faire petit parler ça avec nous, il n'y a pas grand raison. Dès qu'il a fait l'an dans la voie de l'Amérique là,
Mais en dehors de un bagage que nous avons offert comme visibilité, c'est que c'est même ça qu'on a regardé. Donc là, au moins, l'activité, Dieu nous garde les baillons, l'autre gens. Dieu nous cuit. Quand nous avons commencé à regarder, nous pouvons regarder ce qui a passé derrière nous, non, que nous avons regardé moi-même. Nous avons attendu, mais nous regardons ce qui a passé derrière nous. C'est comme ça, Dieu nous. En fait, son côté même que la voie d'un fait même pour nous-mêmes, les nappes de bataille pour nous faire, parce qu'au moins, les dans la rue, ça va, on met bout d'occupe, effectivement, mentir et capable. Voilà. Donc, alors que je me suis capable d'en. Par exemple, si tu as la pluie, les gars, je ne pas sortir dehors, et puis je suis bien pour t'aller dans le tout, parce que, en tant que frère, dehors, la console est là, console là, qui a boulé, là. Bon, ce n'est pas pour ça que vous regardez. Qui est-ce qu'on a encore, dès qu'on a pris possédé, il y a encore, qui te fait commenter pour Bouya. Oui, je vais vous sous Bouya après ça. Ma chute qui a passé des données, c'est normal parce que micro, non, il y a son micro qui est ultra sensible. Donc, il capte le son qui sortit tout côté. Donc, c'était certainement l'air machine à passer, vibration machine à attendre, il a empêché de passer. Pour l'autre, qui dit que je parle trop parce que je parle moins plutôt, là, je suis d'accord. Je vais prendre mon service, je vais parler moins. Et parce que nous disons nous avons des problèmes à régler, nous avons des problèmes, mais j'ai entendu ça m'a dit un peu aller, au lieu que moi j'étais trop de temps, j'ai dit mon ça m'a dit, mais ça m'a dit que c'est intéressant, c'est pas, et pas je voulais parler en plus long, mais ça m'a dit que c'est intéressant, et puis ça m'a dit non, c'est pas que c'est probablement, ou pour attendre, ou pour attendre, c'est seulement, il y a des nouvelles, il y a des gens qui se confirment, ils confirment avant, il y a des gens qui se font nouveau pour vous, donc tout dépend de là. Mais merci un peu, le commentaire, je prends le temps pour moi lire. Il y a moins lui près de 90 commentaires que nous fait sur en bas Facebook là. OK, nous parlons que nous avons une équipe dans New York qui cherche à prouver l'Assemblée générale des Nations Unies dans New York. Avant nous aller là, avant d'aller au congrès, demander à l'administration américaine pour le bail Taïwan une assistance financière pour aider le préparer pour faire face si au cas la Chine attaqué pour permettre que les confondre avec la Chine. Donc, puis il faut m'occuper, on est en train de terre là, il faut continuer à prendre assistance à la population, mais on est longtemps en train de terre pas pour payer, il prend le temps pour payer, pour prendre forme, ni reprendre, pour taper sur le pilon. Mais il faut apporter quand même. Et dans le pays d'Haïti, comme je m'en ai présumé pour nous, dans le pays d'abord, il y a l'Assemblée générale, deuxième journée, l'Assemblée générale des Nations Unies. La voie possible dans New York, nous voyons qui est sur place. Nous avons Jacqueline Bélitière et Valéo Saint-Louis et nous avons Gentil Augustin. Et plus nous avons des techniciens qui sont avec eux tout. Nous faisons un peu de nouvelles là-bas où et gens qui sont avec tout. Et ça que nous avons là-dedans que nous devons connaître. Donc nous avons une équipe qui est sur place, qui est mobilisée, qui est avec nous pendant toute semaine. Et je dis à tous, c'est. Et le ministre a été dans les Nations Unies avec une délégation. Je suis en train de discuter tout le dia, il était dans l'Assemblée générale là. Mais j'ai beaucoup de parler, non pour prendre la parole parce que c'est le ministre. La ville dans les Nations Unies, il y a trois étapes. Les présidents prennent la parole d'abord, ensuite les premiers ministres, et puis en troisième catégorie, nous avons le ministre des Affaires étrangères. Donc le premier ministre a parlé vendredi à cause de son premier ministre, il n'est pas président. Et puis je dis à tout gagné président et dominicain, Luis Abinader qui prend la parole. Et très certainement, nous connaissons que le dossier Haïti a, le dossier conflit et verbal entre Haïti et les Dominicains sous canal d'irrigation. Et voilà maintenant rivière d'Ahabonga, eh bien, la dans centre, la fait partie du discours. Et puis nous parlons d'Ahabonga, un sujet que m'a traité pour nous tous, que un journaliste et chaîne télévision dominicaine CDN. Et vous ben non, et c'est sous travail que l'autorité de la santé a profité de l'absence commerçante dans le marché binational d'Ahabonga pour nettoyer et désinfecter le marché parce que bon paquet de rats à souris, gravettes qui envahit le marché. Qui était toujours là, les commerçants n'ont pas été capables de nettoyer ou bien éviter ça parce qu'on est côté de manger. Parce que aux dentures, ça les rongeurs. Il y a trois bagages, il y a besoin pour vivre au côté, il y a besoin de manger, il y a besoin de l'eau, et puis il y a besoin de côté pour cacher. Donc l'autorité de la santé dominicaine, dans le Darabon, il y a nettoyé, désinfecté toute zone net, tout marché net, tout dépôt net,
pour être sûr que capable de frapper au dernier vote à ça moi-même que m'a préparé pour nous pour justement montrer nous situation mais commerçant bien content mais pendant ce temps il y a Babito pour dire que produit rien à meilleur sur le produit pays ça pour tomates avocats et bérigène produit fait à produit pays ça bien mais produit ça finalement et au conseil qu'il a perdu plusieurs millions de dollars à cause de conflit haïtien dominicain et espérer que et autorité de pays a pas perdu du temps pour résoudre le problème. Et puis, il y a un tour représentant des Nations Unies et Binion, responsable Binion, représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti, on a parlé de Maria Isabelle et Salvador. Et bien, lui-même, il souhaitait que les dirigeants de pays, Haïti et Boudoukène, cherchons à habiter, mais je nous entends pour résoudre les gangs qui ont été en train. On a parlé que le président dominicain, qui n'est pas la parole dans et Columbia University, il dit même il pas chercher une confrontation avec Haïti. Mais il paquet de pas qui peut résoudre en deux pays. Pendant ce temps, quand on a continué, et le président dominicain dit lui-même n'est pas privé sans jusqu'à ce que les populations campent sur le construction canal, parce que le gouvernement haïtien dit ce n'est pas une initiative, c'est une initiative groupe privé, donc c'est les populations dans zone qui ont décidé. Pour ce canal, il y a un peu pour arroser pleinement les barres. Je suis pour encore, et puis ça ne dérive pas encore. Et alors, barbecue, nous sommes tu vois, ouais. Je suis un chef de gang armé, et bien barbecue, et je suis tiré là, hier, je suis rencontré la presse, je me suis fait une déclaration, je me suis dit, bon, en principe, ni si l'appli, ni chef gang, yo même yo prend décision pour ouvrir route là, avec des gens qui sont fermés dans la zone Matissan, yo dit que le camion va passer pour nous, et tout comme dans la zone Canaan, tout route qui est barré, tout qui n'a pas dit qu'on campait sur l'activité ça, mais lui-même, il dit que les déclarations, il dit que, eh bien, lui-même là, il va camper parce qu'il dit que j'ai 9 enfants, il va exister encore, tout comme j'ai peur pas exister encore. Et c'est une autre coalition que vous faites. Et bien, pour nous, puisque leader armé qui a kidnappé mon dans le national numéro 1, le national numéro 2, dans la zone Canaan, et la zone qui va aller sous frontière, Haïtiano Malpass, et dans la zone Mankabri, et dans la zone Matissan, tout, et bien, il dit que à partir de ce moment, bah, on est une machine de base. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle, ça dépend de qui on a dit. Mais il dit que pour lui-même, il peut commencer son lutte armée contre pour capoter le premier ministre Ariel Henry, qui est actuellement trouvé lui dans tête d'une délégation qui a participé dans la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Un dossier que nous n'avons pas négligé, c'est que nous avons fait, mais nous avons avec le port de ça pour tout le monde qui s'est passé. Puis je dis à tous ces férié en Haïti. C'est date de sa indépendance, c'est l'initiative du défunt président Jovenel Moïse. Il dit que ça a célébré la mort de Saline, que ça a fêté plutôt date de fête. Mais bien, il dit à la date de sa défaite, que c'est fait, tout va faire en Haïti. Tout va faire net, l'école, le commerce, tout va faire. Et pensant pour le ministre Ariel Henry, il est venu dans New York, et puis. Et puis bon, ça n'a pas pour là, on a sur le dossier ça, d'abord des manifestations tout, et on sait de groupes politiques, organisations, médias plutôt, plusieurs manifestations dans la capitale là, surtout dans l'occasion ça. Et nous avons à Matsadovine et Renan tous ces capitales sur ça. Nous avons un groupe Maïska, association Maïska, association nationale Maïska, qui décide de mettre ensemble pour cotiser l'argent pour vous et bailler. Et communauté dans Wanamètre, dans le cap de construction, c'est donc l'argent qui pour aider à acheter des matériaux pour construire, pour construire barrage sur la rivière et dans la rivière Massacre. Et ça encore, je sais encore. Et puis, il y a un peu que le président Biden a encouragé le Conseil de sécurité des Nations Unies pour lui et voter pour supporter une force. Qui peut aller en force multinationale qui peut aller en Haïti, qui part en force Nations Unies. Mais c'est Kenya qui était proposé pour le prendre tête force ça.
gen président brésilien Luiz Inácio da Silva Lula qui lui-même pour encourager et mouvement ça tout et sans oublier que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres lui-même pour y encourager l'initiative là. Voilà, c'est autant de grands points qui se sont dominés en actualité et dans le pays d'Haïti et à travers le monde, nous pas avoir tout bagaille et dans le plus tard, nous équipons sur place, j'ai un journal à présenter pour nous. Nous équipons New York, c'est pour partie du journal là, nous parlons d'abord de tout ça qui a passé dans l'Assemblée générale des Nations Unies, ça qui a passé dans les Nations Unies, c'est pas seulement ça qui a passé dans les dents des Nations Unies, mais ça qui a passé devant les Nations Unies, dans l'arrière, côté que tout social, toute organisation militante qui a manifesté. Le président Luis Abinader a pris une manifestation partout. Et Haïti a manifesté contre lui, tout comme tout, le premier ministre Ariel Henry, certainement, la première manifestation partout. Et il y a un monde même qui parle là pour manifester. Tout. Et il n'a pas bloqué le premier ministre Ariel Henry après la parole. Vendredi soir, devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Moi, je vois Philippe, mais j'espère que Badiou en plus, je dis à M. Banou, les grandes lignes, ça m'a pris à Suyo et bien ça y est. Et puis, en plus de Jacqueline, Valério et puis Jean-Thierry Augustin qui a travaillé sur la capacité dans la société, moi-même, non, pas ici avec le service national le maire, et nous-mêmes, nous allons parler aussi de l'actualité, d'abord sur frontière, et sa capacité dans Port-au-Prince, et très certainement, si nous avons assez de temps, nous allons et bonne intervention et magistrat, et association magistrat, national magistrat, qui ont été. Les potes de contribution. Puis tout bon bail qui est important, c'est la présence de mesdames sous frontière qui travaillent tout. Par exemple, les filles qui travaillent tout comme maçon ou bien comme ouvrier dans la construction de ça que nous ne sommes pas venus de parler. Et puis tout, on a vu que monsieur qui travaille tout là, l'autorité de la santé qui travaille pour être capable d'éliminer les rongeurs, les rats qui envahissent. Et dépôt qui était ces mesures que il est difficile les activités pour venir faire li donc il a profité de faire un petit frontière pour faire qu'on y a mais commerçants sont contents mais dit que tout pour eux même tout il a gardé tout espère que frontière bien temps pour même après temps je peux reprendre activité mais autorité dominicaine dit même il a cherché marché il a pas acheté d'abord dans main et fermier à tous les commerçants pour dit que rien dans main il a acheté pour distribuer gratis dans la quantité scolaire, par les populations qui ont besoin. Mais ensuite, il faut y chercher l'autre marché pour faire mieux avec les commerçants dominicains. Voilà. Bon week-end, bon jour tout le monde. N'a pas de temps. Abdié non, abdié troisième mi-temps, tout comme il y a des grands troisième mi-temps. Eh bien, après troisième mi-temps, encore après-midi, après journal là, les 25 ans, après le troisième mi-temps. Bonsoir tout le monde. N'a pas aller.